Oui, maman. T'as vu où c'est qu'ils nous font vivre? Ouais. T'as 81 ans et encore tu es là-dedans. Oui. Je vais leur faire, moi. Je vais leur faire une petite spéciale dédicace à tous ces paysans de mort, là. Les paysans de la politique, là. Regardez un petit peu. Regardez les politiciens de vos morts, là. Je suis obligé de mettre des bottes, là, pour être dans votre place désignée. Regardez les places désignées que vous nous faites, entourées de fils de fer barbelés. Entouré de grillages, là, vous le voyez bien, là. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Regardez ma petite fille, là. Il a fallu que je chauffe des poules hier soir. Maintenant, il y en a marre. Le pauvre grand-père, il y en a marre, maintenant. Parce que nous aussi, on peut être des hommes aussi. On va pas mettre le feu dans les cités, brûler des voitures. Mais nous aussi, on peut se battre, le pauvre grand-père, on peut se battre. Il faut changer tout. Y'a ma femme. Alors là, sors de là. Sors de là. Viens leur dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Viens leur dire, là. Qu'est-ce qu'il y a? Viens leur dire. Ah, j'en ai marre. Oui, mais dis-leur, là. Ouais. Dis-leur à la politique, voilà, regarde où tu dis, là. J'en ai marre, regardez au point où je ne sais plus. Voilà. Froidez-moi. Ouais, dis-leur, dis-leur. Vous allez railler ma mine, maintenant. Voilà. Allez, au revoir. Et je t'en canard. Alors maintenant, il faut changer les choses. Il va falloir les changer. On se scotte, on y voit quand? On est des morts, nous, chambouillables les mouches, nous. Maintenant, il va falloir que vous nous écoutiez, mesdames et messieurs de la politique. Nous, les gens du voyage, on ne vous demande pas des fortunes. On vous demande tout simplement de nous faire des places désignées, avec de l'eau,
de l'électricité, une école pour nos enfants. Car nous aussi, on a besoin de vivre convenablement dans nos caravanes et de ne plus nous considérer comme étant des clandestins venus des pays de l'Est ou d'ailleurs. Non, nous nous sommes français et fiers de l'être. On s'est battu et on est prêt à se battre encore pour notre France, pour la liberté, l'égalité, la fraternité. On ne coupera plus les autoroutes, on vous le promet. En échange, ce que l'on veut de vous, c'est la même justice pour tous. Pourquoi avoir refusé une permission de sortie à un de nos jeunes hommes qui était en fin de peine, qui vous demandait de pouvoir assister aux obsèques de son pauvre petit frère? Nous aussi, quelquefois, on prend le droit de se mettre en colère contre l'injustice. La France est à nous aussi. On a le droit d'y vivre et de s'exprimer. Comme vous. Chez nous, les enfants sont sacrés. On a un cœur aussi, sachez-le. Nous aussi, on a besoin d'une personne qui nous représente. On n'en a jamais eu. Une personne qui pourrait vous expliquer le mal qu'on a au fond du cœur d'être autant rejeté par la société. Nous aussi, on a besoin d'une personne qui pourrait vous parler au nom de tous les miens. Messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir écouté.